Jérôme Akapo et Jacques Rouvenou, après 3 ans de formation au centre Siano, ont été à l'examen national de CQM en session d'octobre 2020 et 2021 et ont réussi avec brio ce samedi 29 avril 2023. Le directeur du centre Siano, gloire à Dieu, à travers une cérémonie fort simple, leur remet publiquement leur parchemin. Prières diverses à l'endroit des récipiendaires par les patrons présents et les membres de leurs familles respectives. Et nous avons une chave, maison à louer, mais tonton est à louer. Et nous avons une chave, quelqu'un est à louer, mais tonton est à louer. Quand nous avons un monde, il est sur la zone, il est sérieux. Quand nous avons libéré, nous avons un demi, un gamme au revo. Et le temps de mille bioapprentissage de voe. Bon, nous avons un demi, un gamme, 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 Bien sûr, si l'on a un son, on a un mot qui est en train de se faire. Et c'est un nano. Bon, plein de choses. Il y a un temps de donner. Et donc, il y a un pont. Il y a un autre sous les bois. Dès que l'on a un mot qui est en train de se faire, il y a un peu de choses. Et ce n'est pas ma vie. Il y a un peu de choses. 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 Élisée Arouantiédé, troisième vice-président SEMA, nous parle du CQM. Diplôme d'État, je suis le directeur départemental de l'enseignement technique professionnel, M. Dr. Dansou Bertin. Et bien, le diplôme à Rosso Ton, mais des BAC et Tonton, mais des CEP, mais des BPC et Tonton, pour m'aider à ce pot. Depuis 2011, ça a été banni. Depuis 2011, mais depuis que j'ai diplôme d'hier, et ça a été 2011, et j'ai catégorie militaire. Bon, je suis un peu plus de temps. Et bon, Joe Miller, donc à partir de 2011, là, mais depuis que j'ai diplôme, j'ai un diplôme et je suis un peu plus de temps. Zandé, il y a des vérifications au terrain, dit, et même le diplôme d'hier, il y a un diplôme. On ne te considère pas comme un artisan. Mais maintenant, il diplôme là, on a coaché des corps. Il y a diplôme, comme il y a un cadeau, comme il y a un cadeau, il y a zéro. Maintenant, il y a un d'expérience. Il y a un peu de persévérance, mon coton. Maouyon, Germain, Sianou, parle des récipients. Je suis content de ces apprenants qui m'ont servi ici. Ils ont fait leur parcours, avec moi. Il s'agit de Jérôme et de Jacques qui ont fait leur formation avec moi durant les 3 ans avec la solidité, la constitution et l'agrégation. Je suis fier de les libérer aujourd'hui. Et simplement, il va falloir que ça serve d'exemple à leurs jeunes qui sont derrière eux. Pouvoir en sortant, pas en aucun cas les traiter de
agités ni tribunaux et autres. Mais ce sont des enfants consciencieux, respectueux. Ils ont respecté tous les consignes données. Jusqu'au point où c'est moi, délibérément, que je les ai envoyés à l'examen et ils ont réussi à l'intest du CQM. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la remise officielle. C'est une grande joie pour moi de garder des apprenants comme ces deux apprenants, Jérôme et Jacques. Remise officielle de CQM, certificat de qualification au métier et non les diplômes que les parents et les patrons signaient dans leur chambre et légalisaient dans l'administration, quand ils disaient local, non, pas les CALM, non. Ils ont été éprouvés par l'examen national organisé par l'État. Puis, tous les enfants qui sont dans le secteur professionnel, ils doivent toujours passer l'examen qui est ce qui est reconnu par l'État aujourd'hui. C'est un appel aux jeunes. Les étudiants aujourd'hui qui continuent de faire des longues études là, qui doivent faire recours à la formation professionnelle, ils suivent vraiment leur cours de formation pour que demain ils soient testés et avoir leur parchemin qui est le certificat de qualification professionnelle. Récipiendaires ont donné leur impression. Mon centre, mon établissement, c'est une gloire à Dieu. Je vous remercie.